Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va passer un petit coup de gueule parce que oui, des fois, c'est un peu nécessaire. En fait, on va recadrer certaines choses par rapport à des personnes qui publient des vidéos sur YouTube et qui disent qu'on peut faire un son en 1 heure. Alors, on va clarifier un petit peu de quoi on parle. Tu sais, moi, j'aime bien utiliser un vocabulaire précis pour ne pas donner de fausses croyances ou de fausses illusions à mon audience. J'aime bien utiliser des termes les plus précis possibles pour éviter en fait les confusions et les faux espoirs aussi. Parce que quand on voit des youtubeurs qui disent qu'on peut faire un son en 1 heure, pour moi c'est absolument faux, c'est du bullshit total. Maintenant, il faut prendre en compte le contexte et savoir de quoi on parle. Donc ça, c'est ce qu'on va décrire plus en détail là dans cette vidéo. Alors, le premier truc à savoir en termes de contexte, c'est que souvent les gens qui disent qu'on peut faire un son en 20 minutes ou en 1 heure, par exemple, hein, donc dans un temps très court, généralement ce sont des gens qui viennent du beatmaking. Alors, pour rappel, le beatmaking, c'est quoi? C'est composer une instrumentale, généralement qui va être assez légère, assez minimaliste, qui a pour but ensuite d'être présenté à un chanteur comme un rappeur pour qu'il pose sa voix par-dessus l'instrumental. Et donc ça, une fois que ce travail, en fait, donc c'est que ces différentes compétences sont réunies, ensuite on va pouvoir peaufiner le futur morceau, donc peaufiner les arrangements, les petites orchestrations, les petits détails artistiques, pour ensuite passer en phase de mixage et en phase de mastering, sachant que les phases de mixage et de mastering, généralement, sont prises en main par un ingénieur donc qui n'est pas le beatmaker ni le chanteur, d'accord? Donc, dans ce contexte-là, faire un son en 1 heure, certaines personnes veulent dire quoi? Ils veulent dire composer l'instrumental en 1 heure. Donc le son, ce qu'ils appellent faire un son, c'est pas créer un morceau. C'est complètement différent. Faire un son, d'ailleurs, faire un son, ça veut dire quoi? Faire un son, c'est extrêmement confusant comme mot, en fait, tu vois. Donc composer une instrumentale, c'est pas la même chose que composer un morceau. Composer une instrumentale, il n'y a pas toute la partie vocale incluse dedans, qui est quand même quelque chose de très important dans un morceau, par exemple dans un morceau de rap, et il n'y a pas après non plus forcément tous les arrangements, les peaufinages de compos, d'orchestration, etc., pour avoir la partie artistique qui soit complètement finalisée. Donc déjà, là, si on parle de faire un son, on n'est plus que dans de la compo d'instrumental. Donc déjà, on a enlevé peut-être 60 ou 70% de la partie uniquement artistique du morceau. Encore une fois, je mets de côté la partie mixage et mastering qui viennent s'ajouter à tout ce processus. Donc déjà, on a divisé par je sais pas combien déjà la charge de travail. Maintenant, si on parle, même dans le contexte du beatmaking, si on parle de composer un son ou on va dire une instrumentale en 20 minutes ou en 1 heure, est-ce que c'est possible? Là, c'est pareil, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une esquisse, en fait, un brouillon, un début, un départ de compo? Et dans ce cas-là, on peut en 20 minutes, on peut, pour quelqu'un qui a l'habitude d'en faire régulièrement, on peut avoir un début de thème. En 20 minutes, on peut trouver deux, trois petites choses, par exemple un instrument, deux, trois notes, et puis un deuxième instrument qui matche bien ensemble. Mais ça, c'est juste un départ de compo, c'est une esquisse, c'est un tout départ. C'est même pas le thème de base n'est pas fait en 20 minutes. Enfin, moi, j'ai jamais composé un thème en 20 minutes, et je parle d'un vrai thème, quelque chose où ça raconte quelque chose, où il y a des interactions entre plusieurs instruments qu'on peut considérer comme des acteurs, un peu comme d'une pièce de théâtre. Ça, c'est une métaphore que je reprends assez souvent. Par exemple, tu peux avoir un violon qui va poser une question. Ensuite, par exemple, 3 mesures plus loin, tu peux avoir, je dis n'importe quoi, un piano qui va répondre au violon. Donc, tu vas avoir une interaction entre ces deux instruments. Et puis, tu peux avoir, pourquoi pas, un vocal qui va accompagner ça. Et donc, du coup, tu imagines bien que plus tu as d'instruments, plus ton thème va être riche, il va être potentiellement intéressant, il va être complexe à créer et ça ne se crée pas en 2 minutes, ça. Alors, certaines personnes peuvent composer plus vite, mais il y a aussi la deuxième partie à prendre en compte dans tout ça, c'est quel niveau de détail et de finition tu veux aller dans ta compo. Parce que si tu veux juste choisir un instrument un petit peu à la va-vite et chercher un deuxième instrument qui va bien et une petite voix, ça peut être vite, ça peut être vite torché. En fait, ça, en 20 minutes, on peut avoir déjà un point de départ. Par contre, si tu vas voir une compo
Et je parle juste du thème de base, qui soit quand même peaufiné, qui soit travaillé, où tu es mis en confrontation, en quelque sorte, plusieurs instruments pour trouver, tu as parmi 3, 5, 10, voire 20 instruments différents, lequel sera le mieux pour ta compo, en fonction de sa texture, en fonction de tout simplement de ce qui va faire résonner comme émotion. Est-ce que ça va être cohérent par rapport à la direction artistique de ton morceau? Et ça, en fait, faire en sorte qu'il y ait une cohésion dans ça et que ça raconte quelque chose par rapport aux autres instruments, tu vois, ça peut prendre du temps justement de trouver les combinaisons en fait de notes, d'instruments, de volume, de vélocité, si on veut travailler un petit peu sur la stéréo, par exemple, tu peux avoir un instrument qui sonne différemment sur les côtés, donc tu vas peut-être dédoubler certaines pistes. Enfin, on peut aller très loin en fait comme ça dans la composition. Donc, est-ce que faire un son en 1 heure, ça veut dire trouver juste un thème de départ qui est encore grossier, qui n'est pas peaufiné? Dans ce cas-là, éventuellement oui, mais c'est juste un point de départ. Et là, je parle vraiment d'un morceau au sens plus musique électronique, quand on veut tout faire, hein, quand on va aller vraiment jusqu'au bout de la création du morceau. Mais en 1 heure, moi personnellement, en 1 heure, je n'arrive pas à développer à partir de zéro un thème et que le thème soit vraiment peaufiné et que je me dise, ouais, ok, là c'est bon, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, et dans ce cas-là, partir sur la création du morceau jusqu'à ce qu'il soit terminé, masterisé et qu'il puisse être commercialisé. Donc voilà, je voulais vraiment clarifier avec toi la différence entre la compo et la création d'un morceau. La compo, encore une fois, c'est la partie artistique, c'est juste une partie de la création du morceau, d'accord? Il n'y a pas le mixage, il n'y a pas le mastering, il n'y a pas forcément même une partie du sound design. Donc ça, c'était une première chose à clarifier. Une deuxième chose à clarifier aussi, c'est que quand tu as des mecs qui te disent qu'ils font un son en 1 heure, encore une fois, faut prendre en compte leur contexte. Parce que faire un son en 1 heure, c'est dire quoi? Des fois, en fait, et ça on le voit dans des vidéos sur YouTube, les mecs qui travaillent en équipe. C'est-à-dire qu'ils arrivent en studio, déjà ils sont dans un studio pro, donc ils sont dans des conditions optimales, tout est prêt, t'as l'ingénieur du son qui a déjà mis à la disposition de l'équipe, bah, tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir enregistrer. Donc déjà il y a tout ça qui est géré par un professionnel. Ensuite, t'as le beatmaker qui va peut-être composer une instru, mais c'est pareil, lui il a tout qui est prêt, etc. Tout est déjà opérationnel, on est dans un contexte pro. Et puis, tu as le chanteur qui est encore une autre personne. Donc là, on est déjà à minimum 3 personnes. Donc l'ingénieur du son, le chanteur, le beatmaker. Donc il y a au moins 3 personnes. Et des fois, il peut y en avoir plus. Ils peuvent être plusieurs à composer l'instrumental, ils peuvent être plusieurs à chanter. Du coup, il faut prendre en compte le contexte de travail en équipe. D'accord? Forcément, quand on est en équipe, si on est bien organisé, en 1 heure de travail, on peut abattre beaucoup plus de tâches que si on est tout seul à faire tout. D'accord? Et parmi les élèves que je coach ou à qui j'enseigne la musique, généralement, on est plutôt ce qu'on appelle des producteurs full stack. Full stack, donc c'est le terme anglais en fait pour dire qu'on est polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut très bien écrire la mélodie ou écrire une rythmique, mais on peut aussi intégrer du vocal. Alors on ne va pas forcément chanter nous-mêmes, mais on peut trouver des banques de vocales ou enregistrer même un chanteur et puis l'intégrer dans notre morceau. On va faire donc tous les arrangements, les peaufinages, etc. On peut faire le mixage nous-mêmes. Dans certains cas, on peut faire le mastering nous-mêmes. Moi, je le fais depuis des années, mais sinon, on peut le déléguer si t'es pas sûr de toi ou que t'es pas sûr de ton matériel, de ton acoustique, etc. ou de tes compétences en mastering. Tu peux très bien le déléguer, mais voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment l'approche qui me convient le mieux et celle que j'enseigne depuis des années, c'est l'approche full stack. Et donc, si ça t'intéresse, tu peux regarder dans la description, je te mets un lien vers la masterclass DJ producteur dans laquelle il y a toutes nos formations. Il y a plus de 45 formations. Il y en a en DJing, il y en a en MAO pour les débutants comme pour les personnes qui ont un niveau plus avancé. Et en ce qui concerne la production musicale, tu vas voir, il y a notamment la méthode Shuriken qui est un workflow, en fait, donc une organisation de travail pour créer tes morceaux de A à Z. Donc, on est vraiment dans de la production musicale full stack. Et donc, tu vas apprendre à écrire tes mélodies, à faire tout ce que tu as besoin de faire pour que ton morceau il soit peaufiné et terminé au niveau artistique, qu'il soit mixé, qu'il soit masterisé pour être aux normes, on va dire, du commerce, pour que ton morceau il puisse être bien entendu sur des enceintes, sur des écouteurs, sur différents systèmes d'écoute.
Et ton morceau, tu vas voir aussi comment le distribuer sur Spotify, sur Juno Download, sur Beatport, sur plein de plateformes comme ça. Voilà, tu vas voir que tu as accès à plus de 7 formations dédiées à la MAO pour apprendre les enregistrements, pour apprendre à bien t'organiser, pour faire le sound design aussi, donc créer tes propres sons. Tu vas voir comment faire des remixes, des mashups, des réédits. Bref, tout ce que tu as besoin de savoir en MAO, c'est dans la masterclass, lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mets un petit pouce comme ça pour soutenir mon travail, abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent, et puis amuse-toi bien, à bientôt, ciao!